Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. Bonjour à tous. Un petit billet sur Novak Djokovic, premier mondial à Roland-Garros, qui déclare « Le Kosovo fait partie de la Serbie ». Oui, il y a en ce moment des échauffourées absolument qui sont très très graves au Kosovo. En tout cas, bravo à Djoko qui a mis ses convictions avant ses intérêts. Novak naît à Belgrade en 1987. La guerre éclate en Yougoslavie 4 ans plus tard et la famille Djokovic doit fuir la capitale en 1999 lorsque l'OTAN y lance son offensive de 80 jours. Les bombardements détruisent également les cours de tennis de la ville montagnarde de Kopaonik à la frontière du Kosovo où le petit prodige avait fait ses premiers pas raquette en main. C'est toujours la même chose. Après que l'OTAN soit intervenue au Kosovo, la guerre est toujours là. Les tensions sont toujours là entre Serbes et Kosovars. Dans le nord du Kosovo, des habitants serbes franchissent un cordon de soldats de l'OTAN déployés dans le pays. Puis ils tentent de s'emparer de la mairie locale avant d'être dispersés. Ces scènes se sont déroulées dans trois localités du nord du Kosovo, région majoritairement peuplée de Serbes. Depuis vendredi, ces manifestants réclament le retrait de maires d'ethnie albanaise. Nous n'avons que deux demandes. Déjà, laissez-nous entrer dans la mairie et ensuite, retirez-vous. Bravo Djoko, et j'espère que tu ne te feras pas exclure par la Fédération française de tennis qui ferme les yeux sur toutes les déclarations sur l'Ukraine, etc., etc. Alors à bientôt sur le cours. Tu es toujours le meilleur en tout cas. Bravo Djoko.